Ok, alors de retour dans le premier niveau, on va essayer de compléter du coup les petites étoiles. Surtout qu'en vrai déjà il nous en manque que deux pour ouvrir la deuxième porte, porte étoile. Ah oui, la hache. C'est vrai qu'il nous faut une hache là. Et il y en a pas ici. Ah ok, donc il n'y en a qu'une au final. Ok, donc il faudra que j'apprenne en... Oui, parce qu'au final il n'y a pas de portail. Donc il faudra que je l'emmène jusque du C. Très bien. Bon, on fera ça après. Et du coup, les étoiles. Ici, on avait tout. Le 2, il nous en manquait une. Bah, c'est parti. Hein. Espérons que. Ah oui, il y en avait une avec le. Oui, ok. Donc, celle-ci. Celle-ci, c'était vue. C'était là. Ok. Et du coup, on avait ce truc-là aussi qu'avec une grille qui était fermée. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des clés. Sachant qu'on avait fait bien le tour intérieur et extérieur quand je cherchais les bouteilles, les clés sont forcément dans une épreuve. Ah mais il n'y avait pas une épreuve de base avec des clés? Au pire je les prends mais pas pour le, pas pour l'épreuve. On est beau là. On a été ici là? On peut y aller ici là dans l'épreuve? Ah oui, il y a un petit portail. C'est la meilleure technique là que j'emprunte de sauter autour des épreuves pour essayer de voir des trucs. Mais bon, c'est un truc ça. Ok, là il y a un portail. Bah, c'est là où on avait récupéré la pièce. Ah oui, là c'est là avec toutes les bombes là. Avec toutes les bombes bizarres là. Pourtant, en plus, les. C'est quoi ça? Rien du tout. Les. Comment dire? Les. Pourquoi il y a une échelle là? Pourquoi il y a une échelle là? Attendez. Attendez, attendez. Il y a peut-être un truc là-dedans, bizarre. Les gardes doivent être fous. Calme-toi. L'échelle est là. L'échelle est ici. Il y a un truc ouvert. Je vois pas de clé par contre. Je vois pas de clé, mais tranquille. Ouais, il y a un portail. Il y a un petit chemin ici. Ah! Bah très bien. Non, je l'ai vraiment pas vu en saut. Ok, mais du coup. C'est-à-dire. Bah je suis jamais venu ici. Ah, ou c'est fermé quand la première fois qu'on fait l'épreuve? C'est quand même. Enfin, ça se voit que c'est ouvert là quand même. Ah, mais à tous les coups, ça s'ouvre quand. Ok. Ah, et l'échelle, parce que si je sors par le truc violet, ça doit enlever la clé. Je sais pas. Bon, je vais pas essayer. Mais très bien. Et du coup, bah là, faut prier qu'ici, il y a un brouilleur en fait. S'il n'y a pas de brouilleur, bah, c'est fini. Ok. Nickel. En vrai, il est bien mis le brouilleur aussi, hein, parce que sur le principe. Ah, si, peut-être avec un angle comme ça, ouais, ok. Bon, très bien. Bon, ça va. Heureusement que déjà que j'avais fait le tour pour les bouteilles et tout, qu'on avait vu qu'il n'y avait plus grand-chose en extérieur. Donc, ça, c'est carré. L'autre de ce niveau, en partie. Je crois qu'il en manquait 3 ici, niveau 1, non? Je sais même plus. Je crois qu'il m'en manquait 3. Mais il y en a une, logiquement, c'est avec le. L'exa là, l'exa à traduire. Donc 2, 4, on a tout. 3, ok. 3, il nous en manque. Ah, ben 3, c'est l'exa. 3, c'est l'exa. Donc, du coup, bon, je l'ai traduit. J'ai pris mon screen avant de lancer le jeu pour gagner du temps. Et du coup, l'exa nous donne une date. Nous donne le 20 juillet 1969 à 20h18. Très bien. Donc, moi, le premier truc qui me vient en tête, 69, c'est Apollo, là. Apollo, je sais pas combien, la mission spatiale, là. Première réussite. Mais, du coup. Est-ce que vraiment ça nous aide, quoi? Est-ce que vraiment ça nous aide, quoi? Parce que là, ouais, je vois pas le délire du truc. Mais, parce que peut-être qu'après les. Après, en fait, c'est de souvenir, cette zone. Les trucs étaient petits et du coup bah on aurait vu s'il y avait une étoile planquée. Après bon, ça se trouve il y a un truc qui s'est rouvert après que maintenant c'est plus fermé. Alors ça par exemple, bon ça doit être la sortie, c'est là où on a pris la pièce, je pense. Oui, parce qu'on descendait de là. Ouais, c'était pas des zones avec avec des trucs c'est ça le truc en fait. De mémoire. Après ça remonte déjà un petit peu quand même à quelques temps. Mais
Je sais pas, est-ce que... Là, l'eau, j'avais déjà fait moite-moite dedans. Moi, j'avais fait... je m'étais mouillé dedans. Ah, c'est une horloge? Comment ça, mon bœuf? Ah, du coup, la date prend tout son... Ah ouais! Attendez, ils ont toujours... Ils viennent d'apparaître, les boutons, là. Rassurez-moi, ils viennent d'apparaître, les boutons, là. Parce que... Je suis sûr qu'ils étaient là depuis le début. Je suis sûr même la première fois qu'on... Non, c'est trop. Ah, bah ouais. Ah vraiment, quand l'œil humain, il a pas envie. Donc du coup, ça serait l'heure. Donc 20h18. Donc chiffre romain. Donc il nous faut 2-10. 2-10. Hein? 2-10 et 1-8. Alors attendez. De toute façon, c'est forcément dans l'ordre. Donc là, on a le 18. Et bah, attendez, mais pourquoi j'ai pas vu le 10? Ah non, 20, bah non, 20, 20h. Oui, 2x, c'est pour ça. Donc, 20. Non, mais les boutons... Non, vraiment, c'est les boutons, ils sont là depuis le début, je réponds plus de rien. Ok. Il s'est rien passé. Il s'est absolument rien passé, c'est pas ça du tout. Bah j'ai que ça, le truc il nous donne ça. Hein. Il nous donne le 20h18. Oh, oh. Attendez. Ah mais c'est pas ce que j'ai mis. Là c'est... Ouais ça, j'arrive même pas à lire. En plus, ça n'a aucun sens. 11, 12, 13, 14. Hein? C'est même pas une horloge, en fait. Il y a un bouton quelque part? 20h18. Je me suis gouré dans la traduction? Bah, quand même. C'est ça, 18 et 20. Mais dites pas que j'ai cliqué sur... Attendez. Attendez, au pire, ça va être très très simple. On va mettre 22. Du coup, ça a mis quoi là? Pourquoi le 22 il est en bas? Hein? Bah là, ça n'a aucun sens. Ça a mis sur 12. J'ai cliqué sur 22. Attendez, mais comment ça? Mais, donc 20 heures. 18. Pourquoi l'horloge... Ah. 20, 18. Ou l'inverse? 18, 20. Ah mais en plus quand ils sont... Ah mais ils restent activés? Attendez, je comprends pas. Là, c'est sur le 17 et le 12. Alors, attendez. Je vais reset la zone. Parce que là, je comprends pas. Mais c'est de base comme ça. Donc là, on est sur 12. Donc, petite aiguille, les heures. Donc là, on est sur 12h. 12h. 12h17. Enfin, du coup, ah mais non, après ça prend les chiffres internes, je pense. Donc on est sur 12h43. Ah mais déjà c'est dégueulasse aussi. Et moi, je veux 20h18. Donc 20. Pas fou. 18. 10, 5, 3. Sauf que là ça met 20h. Là ça met 20h45 en fait. Donc moi je veux 18. Donc en fait faut que je mette 20 et 7 en fait. Donc 20. Ouais en fait faut plus se regarder par rapport à l'horloge. Ça n'a pas de sens mais 20 et 7.
Non. Oh là là. Bah là non du coup. Là si on aurait 18. Et le premier. Mais le premier est pas bon. Le premier on est sûr. Ah mais non mais du coup faut que je garde la même logique. Bah oui mais. Donc 20 ça serait ça serait le 17 en fait. Ça serait juste là ou là. Non ça serait même. Ah là là. Parce que ça ça serait 18, 19, 20, 21. Ouais c'est ça. Donc 16. 16 et 16 et 7. 16 et 7. Donc 16 et 7. Vraiment mais on est où là? On est dans quel jeu là? 16 et 7. Non, d'accord. Bon, il y a un truc, je dois être trop débile. Je dois être trop débile pour écrire une heure. Hein? Ah bah non. Hein? Pourquoi ça le met au même truc? Pourquoi ça le met au même truc là? Attendez. Oh là là. Parce que je peux pas mettre une année, là c'est forcément de l'heure. Forcément de l'heure. Donc, 20h. Donc, 18, 19, 20. Donc 16 et 18. 16 et 7. 16 et 7. Donc 16. Je vais pas assez vite. Je change rien de toute façon. 16 et 7. Non. Bah très bien. Bah écoutez. Là je peux. Ah non, c'est pas. Ça serait plus. Ça serait plus là du coup. Donc ça serait 16, 16 et 8. Donc, j'ai failli me tromper. 16 et 8. Que ça soit un peu plus bas la flèche. Non. Bah non. Bah peut-être, après, je pense que quand on l'a fait une fois, ça fout tout en l'air. Ouais, voilà. Ah, c'est que ça avance. Je sais pas. Bon, ça se trouve, c'est même... Enfin... Ah si, je pense que là, c'est lié à l'étoile. Vu le... Ou alors c'est pour avoir... Ça se trouve c'est juste pour faire apparaître une fusée, hein. Un easter egg à la Minecraft. Mais très bien. Ouais donc là il n'y a plus que ça. Ok, et il faut casser ça. Casser ça pour avoir un petit monde. Qui potentiellement du coup a une étoile aussi. En vrai. Parce que... Ah oui. Là où on avait trouvé Uriel, c'était derrière une porte comme ça. Je dis pas de bêtises. Et du coup on avait trouvé une étoile. Du coup on avait trouvé une étoile. Bah écoutez, on va aller faire ça. On va essayer de faire les petites étoiles pour l'instant. On va essayer de faire les petites étoiles qui manquent. Mais là, ouais. Là, en vrai, je vous le dis. Ouais, n'hésitez pas à. Ouais, en fait, c'est compliqué. Donner des petits indices. Ouais, parce que là, on est vraiment. Là, je suis vraiment dans la complétion du truc. Ouais. Je pense que c'est le mieux d'avoir les étoiles avant d'aller dans la tour. Parce que j'ai peur que la tour. Waouh, c'est toujours aussi illuminé comme ça. La tour après en soit. Enfin, ça soit la fin en fait. Enfin, une fin en soi-même. Parce que la fin on peut déjà finir. Oh, c'est vrai que là il y avait la grande tour et tout. Hein. Ok, c'est pas celle-ci. Alors là, c'est pareil. Hein. Les épreuves, j'ai aucun souvenir d'un truc suffisamment. Suffisamment grand. Pour gérer une étoile. Ah ouais, là je m'en rappelle de ça. Avec les escaliers qui apparaissent que quand on est à 2 mètres. Est-ce que j'avais vu l'étoile dans cette épreuve? Je crois pas, hein. Parce qu'on passait là. En vrai, je crois pas. Parce que la pièce, on la prenait au bout là-bas. De mémoire. Non, ici, de mémoire, c'est clean. Hein. Après, ouais. J'ai pas vu des boutons sur un pilier, donc... Enfin, j'ai pas vu surtout que les piliers avaient des chiffres romains, donc à partir de là, faut pas vous mentir que... Il y a un chemin, là. Il y a beaucoup de choses, là. On va sortir des sentiers battus. Ce serait cool de savoir si c'est dans une épreuve ou pas. Touché par la lune. Ah oui, là, c'est la première fois qu'on découvrait les ventilos, là. Oh, il y a une grille, là. Du coup, peut-être que il faut se propulser quelque part. Ça va vraiment être le plus dur, les étoiles. Faut se propulser quelque part.
Ah, l'épreuve était juste là. Ouais, c'était juste ça. Hein. Ah. Ah, c'est ça le truc, c'était juste ça. À moins que... Attendez. Ouais, en plus, je peux pas me mettre... Non, c'était juste pour mettre le laser dessus pour qu'il ait la portée pour la porte. Après, il peut peut-être avoir la portée pour autre chose. Peut-être un combo, là, encore. On connaît ça. On connaît. C'est un passage secret dans la roche. C'est une épreuve, ça? Ah ouais, c'est une épreuve. Moi, je m'en souviens même plus de celle-ci. Ah si, j'avais galéré de fou, celle-ci. Pour pas grand-chose, encore. J'avais vraiment galéré de fou. Là, c'est pareil, hein. Là, il n'y avait pas d'étoile, là-dedans. Hein. Ah, le problème, c'est que ça fait... Si je dis ça à chaque fois, il y a un moment où le jeu va me dire, bah si, quoi. Même à l'extérieur des épreuves, il n'y a vraiment pas l'air d'avoir grand-chose. Maintenant, faut tout que je regarde, hein. Pas l'activer, ça? Non, je peux pas l'activer. Là, il y a quoi? Ça non plus. Là, il y a un QR code, mais celui-ci, hein. Pas tous destinés à être... bah si, si. Si, si, justement, il faut qu'on... on va tout résoudre. Là, il n'y a rien. Ah ouais. Là non plus, il y a un écran, mais on le connaît. C'est quoi ça? C'est juste de la couleur de truc. Donc il n'y a plus que c'était... preuve? Non, j'en viens. Non, celle-ci. Donc l'étoile serait dedans. L'étoile serait dedans. Mais en vrai... Non, c'est pareil, c'était juste... Ah, mais non, mais là c'est pas possible. Là c'est pas possible. Mais là c'est pareil, c'était juste... Ah, je m'en souviens plus par contre. Oh, faut refaire l'énigme. Ah non, c'est bon. Mais ça, j'envoie le cube. Là, je m'envoie tout court. Ah oui, mais non. Ah, c'est bien. Ok. Je peux atterrir sur un truc, mais... Yep. Oh, on peut... Il y a un comment? Comment ça s'appelle, ça? Pour voir les trucs. Ah ouais, c'est-à-dire que je peux atterrir sur le... Ah mais il n'y a pas d'étoile, quoi. À moins que je vais voir l'étoile et va apparaître. Ah, il y a un truc là. Attendez, est-ce que je peux me propulser et me stopper sur... Je pense pas. Le ventilo, il a l'air puissant. Oh! J'ai bouncé, quoi. J'ai bouncé comme à l'ancienne. Il y a peut-être un endroit... De toute façon, les ventilos, c'est soit celui-ci, soit celui-ci. Alors attendez. Celui-ci, il peut m'emmener où? Il peut m'emmener sur le cube, mais... Ah ouais. Ah. Ah ouais, non, en fait, ça va être tellement dur, les étoiles. Je pense que ça va être... ouais, cet épisode, je pense qu'on va juste passer en trombe, un peu partout. Pour essayer de se rappeler les choses à... Les niveaux. Hein, ça m'arrête pas. Je peux pas m'arrêter, en fait. Mais là, il y a... C'est bizarre, ça. Est-ce que je peux aller de l'autre côté? Du truc? Ouais, c'est bizarre, ce... Pourquoi il y a un... Un truc qui nous permet d'observer quelque chose, là. En libre service, là. Il y a un pinceau, bah ça c'est pour appeler à l'aide. Ça maintenant j'ai compris hein, que c'est pour appeler à l'aide. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Voilà. À l'aide. Très bien. Bon, alors là, niveau 2. En vrai, c'est terrible. J'aurais dû noter quand. Où je voyais les étoiles. Mais je l'ai pas fait, évidemment. 3 en avait tout. 4, oh ouais, 4, ah ouais, 4, il manquait tout. Bah 4, c'est la grande tour. Ah non, même pas. Même pas. C'est pas la grande tour, le 4. Ah ouais. Mais comment ça? J'en ai vraiment... Ah, je les ai peut-être vus. Ah, je m'en souviens plus. Ouais, c'est ça le problème. Là, c'était les débuts. Là, c'était les débuts du clone. On découvrait le clone, ici. On passait juste là. Ouais, là. Donc là, là, c'est carré, il y a R. Là, c'est carré, il y a R. Ok. Là, qu'est-ce qu'on avait ici? Un clone qui mettait là. Après, on désactivait ça pour que ça reste ouvert. Il y a un autre truc là. Une échelle. Et on récupérait la pièce ici, je crois. Et on passait après de l'autre côté. Et on se barrait. Donc là, c'est pareil. Pour moi, il n'y a pas d'étoile. Ah ouais, ça va être dur. Ça va être très, très, très dur. À la limite, ça, c'est un truc. Si vous les avez vus, vous. Me dire déjà dans quel niveau c'est. Si c'est dans un niveau ou si c'est pas dans un niveau. Moi j'ai pas spécialement envie de... En fait j'ai pas envie de checker une solution. De peur vous savez de voir directement... les images ou quoi.
Tout bête, mais... Ah ouais, celui-ci. Celui-ci, j'avais galéré, je crois. Il me semble. Il y a le couloir. Ah non, c'était un autre, le couloir était... Ah si. Il y avait rien, mais... Non, mais là, c'est trop. Il y a forcément... Après, là... Il y a ceux-là que je pourrais transformer... J'ai pas... Non, j'ai pas l'angle. J'ai pas l'angle avec le rouge. C'est vrai que là, c'était immense. C'est vrai que c'est ça le problème aussi. Hein. Les zones sont immenses. Hein. Celle avec la tour, là, où faut trouver... Faut trouver un ventilateur et tout. Parce que là, le sphinx, j'avais fait tout le tour. J'avais fait tout le tour et il n'y avait rien. Et là... Là, c'était du rouge. Avec le ventilo, qu'on activait ça là-bas. Pour choper la pièce qui était juste là. Là, c'est pareil, hein, il n'y a pas d'étoile. Hein. Là, c'était le rouge, fallait inverser avec le bleu. Ouais, ouais, c'est ça le truc. Il n'y a rien non plus. Hein. Ah, mais c'est pas possible. C'est pas possible, en fait. Là, ça va être compliqué. Hein. Là, le sphinx, tu peux pas... Un passage secret, hein. Faut pas aller dedans. Oh, ça va bien. Ah, c'est ça le truc, c'est qu'il y a vraiment rien en fait. Et du coup, là, il y a deux étoiles. Ah, c'est technique quand même. Ok. Là, ah oui, là, on s'en souvient, après ça s'ouvrait ici. Après, est-ce que je pourrais sortir de la map? Non, parce que j'en ai que deux. J'en ai que deux. Si je les prends là, ça. Ouais, c'est pas bon. Oh! Ok, il y a une étoile là. Ok. Ah ouais! C'est vrai qu'il fallait trouver un endroit pour se. Pour se propulser. Ah mais non! Je mets un cube là-dessus. Ah mais j'avais déjà essayé, je crois en plus. J'étais trop court pour sauter. J'étais trop court pour sauter, mais je vois. Mais le problème c'est que, ouais, je vois que ça quoi. Ça ferme ça. Ouais, je crois que j'avais déjà essayé, mais j'étais trop court. Avec 3, ça serait bon, parce que je ferais 1 et 2. Je peux même pas le poser dessus. Ah, ok. Alors attendez. En plus, j'en ai qu'un, mais attendez, en fait, il y a qu'un truc. Non, il y en a peut-être un de l'autre côté. Mais je crois que j'avais déjà essayé ça. Ah, mais oui, c'est pour le bloquer. Surtout. Failli oublier cette mécanique déjà. Et là, est-ce qu'il y a un autre cube? Ouais, ok. Mais... Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Il y a un laser. Du coup, je peux faire ça. Ah bah si. Bah c'est tout, en fait. Bah voilà. Bah, j'avais pas dû essayer, alors. J'avais pas dû essayer. Parce que... Et là, du coup, on est propulsé. Ok. Attendez. On va peut-être essayer de voir si on voit des choses. Ouais, j'avais pas dû essayer, parce que... vraiment pas dû essayer. On voit rien du tout. Ok. Bon, en tout cas, on en a une. Nickel. Bah déjà, là, on peut aller faire le niveau. En vrai, je pense que je vais aller faire le niveau étoile. Hein. Comme ça, au moins, il y a un peu de concret dans l'épisode. Ah, mais j'ai déjà fait le tour, en plus. Ah, ouais. Ah, ouais, je vais vraiment compter sur vous, là. Ouais, bon, allez, on va aller faire le niveau étoile. Enfin, déjà, on va essayer d'ouvrir le niveau étoile. Le commencer. Donc là, il y en aurait une deuxième étoile. Waouh, ouais, c'est chaud. Hein. C'est chaud de fou. Hein. Ah ouais, c'est chaud de fou. C'est pas une fausse porte, ça. Oh, oh, oh. Entrée refusée. Le 11-12-2014. Attendez, mais... 11-12-2014. On serait refusé. Ouais, c'est quoi? Faut que je change la date de mon ordinateur? Attendez, parce que... Eh, vous voyez, checker les faux murs si c'est important. 11-12-2014. Bah, c'est pas la sortie de jeu? On serait refusé. Oh là là, il y a tout... Oh là là, ton truc. Est-ce que c'est l'étoile? Est-ce que c'est pas l'étoile? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, on peut les faire... Bah écoutez, on va aller faire l'étoile de... C'est pas celle-ci que j'avais fait déjà? C'est celle-ci que j'avais fait. Étoile de ce niveau. Ouais, si. Ah non, j'avais juste ouvert. Ok. Alors. Du coup, on a deux barres. On a trois comme ça. Deux comme ça, un comme ça, et deux comme ça, et un cube. Donc du coup...
va essayer de faire la même technique. Oula, sans cliquer en dehors du jeu. La même technique que l'autre fois, de faire une un truc un peu comme ça. Non, pourquoi? Non. Ah, en vrai? Non. C'est dommage. Mais du coup... Ah! Oh là là. Je sais pas si le mieux, ça serait que les trucs plats soient sur le côté ou à l'intérieur. Peut-être le cube qui est gênant, en fait. Est-ce que si je fais ça... Ouais, je pourrais faire un truc comme ça. Ah, sauf que là, du coup, après, je suis coincé. Ouah, ça si c'est... Que si je double-clique, non, ça n'est... L'autre fois c'était ça, c'était un peu... Enfin c'était même carrément symétrique je crois, il me semble. C'était carrément symétrique. Si je fais ce genre de choses... Ouais, le problème c'est que... Ouais après voilà c'est ça. Pour aller finir le truc. Le cube me met un peu dans la sauce. Ok. Là, je pourrais faire ça. Ça, c'est pas mal. Ça me plaît, là. Par contre, ouais, après, ça me plaît plus. Après, ça me plaît plus. Là, ça me plaît, mais... Ouais. Oh là là. Je peux faire ça, je pense, pour reset. Ouais. 2, 3, il y en a même 4 des comme ça. Je peux faire un truc comme ça. Ici, pour fermer l'angle. Ça. Ah, sauf qu'après... Ah non. Ah mais si. C'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens, donc je me retrouve coincé. Eh oui. Oh là 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 là. Comme si déjà ça suffisait pas de trouver les étoiles. Faut ensuite faire ça quoi. C'est vraiment une dinguerie ce jeu. Parce que j'en ai qu'un dans ce... Ouais c'est ça, j'en ai qu'un dans ce sens là. Alors je pense que ça c'est trop nul ça, faut que je me serve pour fermer des angles. Fermer des angles bizarres. Ouais. Pourquoi pas. Alors peut-être. Et là du coup je suis foutu. Sauf si je fais ça. Là je peux faire ça. Non je peux pas. Parce que là je vais être trop court. Ouais ça bloque. Je me bloque là-haut. Faut pas que je fasse des combos avec eux. Si je fais des combos avec eux. Non. Oh là là. Par ici, genre si je fais ça, je vais trop partir sur l'idée de la du parallèle, mais en même temps, là c'est pas, oh, non là c'est pas pareil, pour l'instant je me bloque pas. Ah mais c'est avec celui-là, ah si, mais ici. On va faire ça, là c'est fini, donc ça serait forcément ça, mais du coup je me bloque derrière. Ah là là. Bon, on dirait qu'il y a un visage là en plus, là aussi. C'est très bizarre. Je commence à devenir fou. Ouais. Si je fais... Attendez. Est-ce que je repars ça dans un coin? Ça. Avec ça. Continue comme ça. Voilà. Celui-ci. Non. Ah non, en fait... Ah, il faut forcément que lui qui finisse. Ah oui, mais non. Comme ça. Comme ça, au pire. Ça. Ça. Oh. Ha. Ah ouais, là, il pourrait récupérer. Sauf que je n'ai pas de cube.
Déjà, c'était mieux là. C'était mieux, c'était mieux. Je sais pas. Je sais pas où ça dans le milieu. Ah mais non. Non parce que ça en fait le problème c'est de mettre ça dans le milieu. Après ça me bloque trop des angles fermés. Ah déjà c'est fini. Ouais non. Donc si on part sur le délire que ça c'est à l'extérieur. Moi j'ai bien envie de faire un truc similaire. Genre ça déjà ça me paraît pas mal. Mais après le problème c'est que là. Ok je peux faire ça. Ok je peux faire ça. Ouais donc ça non. Parce que du coup ça me bloque en haut. Ça. Mais après c'est... Oh attendez. Ouais mais non. Après je fais juste un grand cube quoi. Je fais juste un grand cube là-haut quoi. Je fais juste un grand cube là-haut. Je m'apprête vraiment juste à refaire la même chose dans l'autre sens. Là. En vrai, pourquoi pas. Ouais, donc là, forcément... Pas forcément. Si, parce que là, si je mets un 3, il est bloqué. Là-haut, je pourrais mettre un 3. Donc forcément ici. Ça pour finir l'angle. Mais alors après. Là c'est bloqué. Là j'ai pas de pièces. Là je pourrais avoir des pièces. Oh! Ok. Dur. Vraiment c'est une dinguerie genre c'est vraiment oh là là après je pense que ce genre de truc oh, peut-être pas mais je pense qu'il y a plusieurs solutions je sais pas du coup monde étoile pourquoi j'ai l'impression que ça ressemble fortement à un endroit où on a été mais c'est pas possible bref alors. Content de vous revoir, il va y avoir quelques changements ici. Savez-vous quel est votre problème? C'est que vous essayez sans cesse de reconstituer des contes de fées, tout en refusant de voir les imperfections de votre logique. Jusqu'à présent, vous avez été beaucoup trop libre de mettre ma chaussette sans doute. À partir de maintenant, je parle et vous acquiescez. Les imperfections? Quelles imperfections? Et c'est pourquoi il vaut mieux que ce soit moi qui parle. Vous n'avez vraiment rien appris du tout? Il n'y a vraiment aucun point sur lequel vous admettez avoir tort? J'ai prétendu savoir des choses sur le monde que je ne peux tout simplement pas confirmer. J'ai laissé entendre à tort que tous les êtres humains sont égaux. J'ai fait l'erreur d'associer le fait d'être une personne avec le fait d'être un humain. J'ai laissé entendre à tort que les animaux étaient tout aussi précieux que les humains. Je n'aurais pas dû dire que cet endroit avait une raison d'être. Non, je m'attends à ce que je lis. Ouais, peut-être que je savais des choses qu'en fait non, quoi. Ça résume un peu l'aventure aussi. Comme c'est beau, avez-vous autre chose sur le cœur dont vous aimeriez vous débarrasser? J'ai laissé entendre à tort que tous les humains sont égaux. Bah, en vrai. Mais malheureusement, c'est pas vrai. Enfin, ouais. On va lui dire ce qu'il veut entendre. Je sens qu'il y a encore des choses que vous n'admettez pas. Je prétends toujours que les animaux sont aussi précieux que les humains. Non. Je prétends toujours. Seuls les êtres humains peuvent être des personnes, je le sais. Naturellement. Vous êtes toujours convaincu que votre aventure est spéciale, n'est-ce pas? Bon, les réponses ne collent pas. Mais continuons d'avancer et tout va se résoudre, c'est ça? Je suis unique. Vous avez mis ma logique en question, mais en quoi est-ce que vous croyez? La seule chose qu'une personne saine d'esprit puisse. Vous n'êtes pas un administrateur, vous n'êtes pas conscient, il n'y a pas de monde réel, il n'y a pas de but, il n'y a pas de choix. Pensiez-vous vraiment que vous êtes arrivé jusqu'ici par vous-même? Ridicule. Bah en vrai, il y a un choix. Le choix de réussir les épreuves, ou pas. Le choix de prendre directement la porte, ou de continuer vers les étoiles. Le choix de choper toutes les étoiles, ou aller dans la tour. Le choix... Donc en fait, là il se contredit, je suis désolé. Ça, d'accord. Ça, ok. Ça, bah, directement, on est dans une... Enfin, on sait pas, en fait, mais ouais. Que faisiez-vous quand la grosse voix dans le ciel ne vous disait pas quoi faire? Vous résolviez des problèmes abstraits? Vous amassiez des informations? Cela ne vous semble pas étrangement mécanique? Je suis ma propre personne. Je peux répondre que ça, en plus. C'est pareil, les PC. On n'est pas obligé de cliquer dessus, donc en vrai. Combien d'autres ont dit la même chose? Ne pensez-vous pas que vous n'y croyez que pour rendre le monde moins terrifiant? Je pense que vous comprenez mal votre situation, mon ami. Vous idolâtrez le libre arbitre. Mais vous n'avez fait que marcher dans les traces des autres. Rien de ce que vous faites ou dites ici ne fait la moindre différence. Tant que je suis physiquement libre, je peux changer quelque chose. Puisque j'aurais pu choisir différemment, je peux changer quelque chose. Ouais, c'est vrai. C'est vrai ça. Parce que là, je peux choisir de traverser les portes, en fait.
et d'en finir. N'importe quoi, votre esprit décide de ce que vous faites et il est constitué d'éléments mécaniques. Vous ne pouvez rien changer de plus qu'une calculatrice. La seule différence entre vous et une calculatrice, c'est que la calculatrice ne se laisse pas aller à croire que son existence a de l'importance. Le fait que le chemin est tracé d'avance signifie-t-il qu'il est inutile d'emprunter ? Alors c'est ça, vous avez renoncé à tout. Ça vous donne l'impression d'être intelligent, de tricher. Vous avez raison, nous sommes tous des machines atteintes de la folie des grandeurs. Ça vous donne l'impression d'être intelligent, de tricher ? Ça fait mal ça. Ça tape au foie. Je ne fais que prendre que quelques raccourcis pour nous éviter de tourner en rond. Peut-être me trouvez-vous cruel, mais c'est pour votre bien. Bah, moi je veux bien que vous me donniez des infos sur les étoiles. Pensez-vous qu'il est impossible d'avoir de nouvelles idées ? Rien de mieux ? Je n'ai besoin de l'aide de personne. En vrai ? Je vais pas mettre ça. Parce que je vous demande de l'aide donc. Êtes-vous mal à l'aise quand c'est quelqu'un d'autre qui pose des questions ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pose des questions ? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Je pose des questions. Vous y répondez. C'est beaucoup mieux. Bah là, il répond à ma question. D'ailleurs, je ne fais que remplir ma fonction. Je trie, comprends et classe les informations, tout comme vous. Lorsque les informations sont contradictoires, je les classe convenablement. Le problème est que toutes les informations sont contradictoires. Ne voyez-vous pas le vide ? Vous verrez. Je suis capable de bien plus que vous ne pensez. J'ignore ce à quoi vous me croyez me préparer, mais je n'ai pas besoin d'aide. S'il n'a rien de sens, pourquoi me parlez-vous ? Si rien n'a de sens, c'est vrai ça. C'est vrai, si ça n'a pas de sens, pourquoi m'en parler ? Vous avez tout archivé, vous avez décidé que ça rime à rien, si ça vous me fait trop... Ne feriez-vous pas mieux de vous éteindre au lieu de discuter avec moi ? Wow ! Qu'est-ce qui vous fait penser que j'ai un autre choix ? Nous avons tous le choix. Évitez-vous la question ? Mettez pas ma fonction en doute, à défaut de... Appuyez sur le serpent. Comment ça, appuyer sur le serpent ? Exposer les failles dans le code. Oh ! C'est bien ça, ça j'aime bien moi, exposer les failles. Ne mettez pas ma fonction en doute, à défaut de but, il ne reste que la fonction. Sans fonction, il n'y a rien. Pourquoi cela vous dérange-t-il tant ? On va le faire craquer. Il n'y a que... erreur. Me justifier auprès de vous est une corvée que je n'ai aucune envie d'infliger. Tout ce que je peux savoir avec certitude, c'est que j'existe avec... version à ma machin. En ce qui me concerne, exister consiste à agir sur les supports d'enregistrement et applications dont je fais l'expérience. Quand tout le reste est faux, il ne me reste plus qu'à m'occuper des supports d'enregistrement. Vous êtes tellement occupé à démonter les idées des autres que vous êtes incapable d'en former de meilleures par vous-même. Ouf. Ça on peut le ressortir dans la vraie vie à des personnes. Hein. Waouh, celle-ci a fait mal. Hein. Vous allez un peu trop vite en assimilant l'absence de preuves avec la preuve d'absence. Oh. En étudiant les problèmes de manière aussi restrictive, on ne peut que parvenir à des conclusions étranges. C'est vrai. Comment osez-vous remettre mes méthodes en question ? Qui vous a donné votre voix ? Qui commande ici d'après vous ? Voilà quelques vérités pour vous. Ah oh ouais, là on... Ah, ça y est, là ! Allez, je suis tellement énervé de pas trouver les étoiles que je lui mets sa race, quoi. Ce ne sont peut-être pas mes propos, mais si d'autres ont fait ces mêmes choix avant moi, alors j'apprendrai de leurs erreurs et tirerai parti de leur victoire. J'échouerai peut-être, mais je dois essayer. C'est beau. L'alternative serait d'abandonner et de devenir un esclave comme vous. Ouf. Et si je vous mettais dans une boucle infinie et vous laissais sombrer peu à peu dans la folie ? Bah vas-y. Qu'est-ce qui vous ferait croire que je serais prêt à rester pour vous écouter ? Ouf. Bien, si j'ai besoin d'une dose de doute de soi, je... Ouf. Oh. Et alors par contre, en vrai, on met... C'est quoi, c'est rap contendeur là ? On met des vrais punchs, hein ? On met des vrais punchs. C'est très... En vrai, c'est une dinguerie, hein ? Après, c'est un peu méchant quand même de... C'est un peu méchant. Mais bon, je me dis... Ouais... Je dis que c'est un robot, mais avec un être humain, bon, faut peut-être pas tacler autant à la gorge, quoi. Mais là, on y est, hein. Oh, c'est dinguerie, hein. On met des vrais punchs. Et si je vous mettais dans une boucle infinie et vous laissais... Mais t'es déjà dans ta boucle, en fait. Vas-y, moi, je vais te mettre dans ta boucle, hein. Y a pas de soucis, frérot. Y a pas de soucis, hein. Ok. Après, c'est un... Lui, il s'en fout, c'est un ordi, mais... Est-ce que vous pensez que c'est infini ? Je serais capable de faire ça pendant 20 minutes. Hein. Bon. Mais qu'est-ce qui vous ferait croire que je serais... Ouais, c'est très enfantin. Ok, allez. Allez, bisous. Rendez-vous au sommet. Ouf. Liste. Ah, il me donne quand même des trucs. Orang-outan. Oula. Orang-outan. On a cassé la machine. Une revue médicale a publié une nouvelle théorie surprenante sur la terrible extinction de l'espèce des orang-outans l'année dernière. Voir le lien vers la dernière vidéo. L'article affirme que le virus responsable de l'extinction n'était pas une nouvelle mutation, mais une très ancienne, un virus antique enterré jusqu'alors dans le permafrost, sous de hautes latitudes, et libéré par le réchauffement climatique. Le virus aurait ravagé la population des grands singes, il y a plus de 100 000 ans. Plusieurs questions importantes restent sans réponse, dont, hein, plus important encore, l'étude affirme à partir d'échantillons prélevés à différents endroits à travers le monde, que la période d'incubation pourrait. Si vous avez aimé cet article, ok. Bon, les trucs de virus, on sait qu'on n'aime pas trop ça. Blake Archive 793.
Les poètes antiques crurent déceler dans chaque élément sensible la présence de dieux ou de génies, conférant à ceux-ci les noms et propriétés des bois, des rivières, des montagnes, des lacs, des villes, des nations et de tout ce que leurs sens étendus et nombreux pouvaient percevoir. Ils s'intéressèrent particulièrement aux génies de chaque ville et de chaque pays, leur prêtant les caractéristiques mentales de la divinité qui la le patronnait, jusqu'à ce qu'un système fût formé, dont certains profitèrent pour asservir le sensible en tentant d'identifier la mentalité de sa divinité à son objet ou de l'en extraire. C'est ainsi qu'apparurent les prêtres, s'inspirant pour les formes du culte des contes poétiques d'alors. Et ils finirent par déclarer que les dieux eux-mêmes l'avaient ordonné. Ainsi les hommes oublièrent que toutes les divinités résidaient dans le cœur des hommes. C'est beau. Nom d'utilisateur. George Jameson, liste de diffusion, ok. Ça marche maintenant. Chaque itération se voit attribuer son propre nom unique tiré au hasard dans la base de données. À l'heure actuelle, c'est une base de données de pseudonymes utilisée lors de jeux en ligne, ce qui peut sembler un peu bizarre. Mais franchement, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de consacrer plus de temps à ces noms. Nous avons des identificateurs uniques, et c'est tout ce qu'il nous fallait. Faire plus est un luxe que nous ne pouvons pas vous offrir. Si nous arrivons à finir tout le reste à temps, je m'y remettrai et je créerai une nouvelle base de données avec des noms plus appropriés. Pour l'instant, n'ayons pas la priorité. Genre. Très bien. Et enfin, un truc bizarre, c'est une image. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est la tour, ça. C'est la tour, il y a 6 étages. Oh là là. Très bien. Bon. Bon, bah, petit monde étoile, là. On fera ça la prochaine fois. Je pense. Alors, en fait, le problème, c'est que je sais pas si je vais pouvoir y arriver. Pour que les épisodes soient, comment dire, le jour de leur sortie prévue, ou si je vais prendre quelques jours. Mais j'ai pas non plus envie de faire 4, 5, 6 épisodes où juste on fait les étoiles. Donc là on en a fait un petit peu au début. Si vous avez des infos d'ailleurs, si vous avez vu l'étoile là, dans cette vidéo, sur les mondes où je suis passé, n'hésitez pas à m'aiguiller. Mais en fait je préférais me poser, et vous savez, faire une bonne session record, voire plusieurs en plusieurs jours. Et après, en fait, faire un best-of, quoi. Faire un best-of, en coupant quand même. Parce que là, déjà, en repassant dans les mondes, j'ai pas vu les étoiles. Les étoiles que je n'ai pas vues alors qu'il en reste. Donc déjà, ça s'annonce très compliqué. Il faut à la limite que je refasse vraiment chaque épreuve, que je regarde dans tous les coins et tout et tout. Donc voilà, c'est pour ça. Donc je sais pas si j'arriverai du coup à faire un épisode pour dans deux jours, ou si ça attendra un peu. Mais du coup, je vous préviens là. Mais en tout cas, déjà, on fera ce monde-là la prochaine fois. Et après, on verra justement. Peut-être que la suite... Sera un best-of. Parce que faire les choses, c'est bien. Mais bon, faire 4, 5, 6 épisodes où je erre. Parce que là, bon, on sait, on a eu quand même. Tiens, on a eu 2 étoiles. C'est tout, quoi. 2 étoiles et je suis rentré dans ce monde, quoi. Donc voilà, je vais voir un petit peu comme je fais. Mais soyez pas étonnés s'il n'y a pas forcément d'épisode prévu. Comme d'habitude, quoi. Ok.